If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. C'est fou de se rendre compte comme le mental nous emprisonne et nous oblige à faire des choses, nous oblige à penser des choses. Est-ce qu'il n'est pas possible de retrouver sa liberté, la liberté de penser à ce qu'on veut et comme on veut, si simplement vous fermez vos yeux et que vous regardez ce qui se dessine dans vos paupières, vous allez voir que vous allez pouvoir tenir quelques secondes, mais que rapidement, il y a des pensées qui vont venir vous submerger et que vous ne contrôlez pas ces pensées, elles s'imposent à vous. Il est donc important, si vous voulez être libre et gérer votre vie comme vous l'entendez, de pouvoir maîtriser vos pensées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font de la méditation ou qu'on parle d'instant présent. C'est parce qu'il est possible de maîtriser ses pensées. C'est juste une question d'habitude, de ne pas se laisser envahir. Parce que quand on ne maîtrise pas ses pensées, le mode automatique, la tête se remplit de pensées automatiques qui vont vous faire fonctionner de manière automatique. Avoir prise sur sa vie, c'est arrêter ses pensées automatiques, cette vie automatique, et réussir à stopper ses pensées et à avoir vos pensées. Faites l'exercice de regarder vos paupières ou de regarder n'importe quoi, les yeux ouverts, et de ne penser qu'à ça. Vous allez voir, vous allez pouvoir tenir une minute, deux minutes. Si vous commencez, vous allez pouvoir tenir quelques secondes seulement. Mais ça s'apprend et vous pouvez le faire de plus en plus longtemps. Et ça vous permet d'élargir votre conscience et ainsi d'avoir plus de prise sur votre vie et de vraiment changer la dimension de votre vie grâce à ce pouvoir que vous prenez. Ne donnez pas votre pouvoir à votre mental, à la société, sinon vous devenez une marionnette qui va répondre aux besoins de la société et vous allez alors servir les autres pour réaliser la vie des autres. Si vous voulez impacter le monde et que les et profiter quelque part de tous ces gens qui sont robotisés, eh bien créez vous-même votre projet en étant centré sur vos pensées, sur ce que vous voulez faire. Si vous arrivez à prendre l'habitude de faire ça régulièrement, vous allez voir que petit à petit, ces pensées vont partir et vous allez avoir la vue claire, la pensée claire et vous allez avoir la liberté d'être qui vous êtes. Because my dreams are bursting at the seams.